s'aligner avec des valeurs différentes. Parfois, dans la vie au quotidien, et surtout quand tu dois parler avec des personnes que tu n'as pas l'habitude de parler, c'est des personnes peut-être qui t'intimident un petit peu, des personnes qui sont plus âgées que toi ou bien beaucoup plus jeunes que toi. Et dans certains cas, c'est important que tu t'alignes, pas que tu sois d'accord avec ces personnes-là, mais que tu montres que tu les comprennes. Donc, tu ne dois pas montrer ton acceptation, surtout si ce n'est pas le cas, mais tu dois montrer que tu comprends leurs opinions, même si eh bien, ils viennent de paradigmes ou bien de milieux assez différents. Et en effet, quand tu montres ton avis et que quand tu as un avis trop singulier, qui se distingue trop, tu as alors tendance à aller vers la confrontation. Tu confrontes finalement ces personnes-là et ces personnes-là vont ressentir eh bien un rejet ou bien un certain rejet, un certain dédain et ça ne va pas aller très bien. Parfois aussi, dans d'autres cas, eh bien, tu essaies de coincer la personne ou de pas être super agréable simplement parce que tu es un peu stressé. Et à nouveau, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Tu dois rester toi-même, tu dois rester aussi cool, tu dois montrer que finalement ces personnes-là ne t'intimident pas, mais tu dois montrer aussi que tu les comprennes, que tu comprends ces personnes-là. Et que finalement tu as envie d'en apprendre davantage, parce que c'est vrai que la vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que à premier abord ces personnes-là n'ont pas l'air des personnes avec qui toi tu peux t'entendre que ça sera certainement le cas. Peut-être que justement ces personnes-là sur le long terme tu vas très bien t'entendre. Tu vas même peut-être faire des partenariats où tu vas même peut-être être ami avec ces personnes-là. Donc à nouveau, tu dois toujours aller dans une certaine trajectoire et dans un certain mindset d'accueil mort, où finalement tu restes ouvert aux suggestions que ces personnes-là peuvent avoir, peut-être aux discussions. Même si tu penses pas le faire, si tu les écoutes et que tu te dis, eh bien oui, je peux peut-être en apprendre, je peux peut-être apprendre quelque chose d'intéressant de ces personnes-là, tu vas certainement en apprendre davantage. Mais si à la base, directement, même avant peut-être une réunion avec des personnes qui, tu te dis de toute façon, c'est perdu et que tu te bloques à toute possibilité, ou bien toute opportunité, tu vas aller nulle part et ça sera vraiment du temps perdu. Il faut toujours finalement aller dans le mindset de démarrer une conversation avec le mindset de se dire oui, peut-être que justement ces personnes-là vont m'apprendre quelque chose d'assez intéressant. Ces personnes-là vont peut-être être voilà, ça va être peut-être une nouvelle opportunité, même si à premier abord ça n'a pas l'air, cela n'a pas l'air très de s'annoncer très très rose, très bien. Si ça tombe, eh bien ça sera vraiment une opportunité en or, ça sera une bonne chose. Et il faut toujours être dans un mindset finalement positif, dans un mindset d'accueil, dans un mindset où peut-être que ça va bien s'arranger, ça va bien faire. Et si ça tombe, peut-être que une opportunité ou bien un partenariat va s'annoncer. Voilà, c'est tout pour cette session. C'est vraiment ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui. Bien évidemment, tu peux toujours aller voir plein d'autres articles super intéressants sur mon site Pierre Writer, PIERREWRITER.com. Et sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur.